On essaye. Nouvel odorat. C'est 4 maintenant. Quand on faisait la Rafam Curve, c'est au tour 6 qu'on réalisait le dernier spot à 5. Ce qui fait que le tour 6, on avait le bibelot qui arrivait, donc on pouvait difficilement faire up plus pouvoir. Là maintenant, on peut rester sur une Rafam Curve. À moins qu'on ait, qu'on y aille en mode vénère. Je pense qu'avec un sort, on peut y aller en mode vénère. Oh non, pas ça. Je vais finir par attraper des coups de soleil. Attends, si on fait up, pouvoir. Up, pouvoir. Il restera 2. En fait, on se cale sur un 5 plus 1. Oh! On se cale sur une Omu Curve. On essaye? Oh, il triche, lui. Ah. Ça va vous remettre en selle. Est-ce qu'on arrive quand même à Omu Curve si on fait ça plus pouvoir, into, up, ça, pouvoir, et derrière la curve elle est à 6, 6 égale 6. Donc non, je crois que ça va être ça, ça, ça. Tour d'après c'est achat, sort à 1, parce qu'on a de la chance, plus pouvoir. Et ensuite c'est up, 5 plus 1. C'est énervé hein. Salut Jack Error du 89. Merci pour le soutien, c'est gentil. Merci de ton aide. Omu Curve, c'est sur les Seagulls. Tu montes sur les Seagulls parce que ça fait 5 plus 1 plus 2. J'ai déjà vu pire. Ok. C'est mieux ça ou ça? Jamais de l'aide, aussi petite soit-elle. Ça j'aime bien parce que ça... Ça j'aime bien au tour 3 mais pas au tour 4. Mais au tour 3 j'aime bien parce que le plus 1 plus 1 il est vraiment intéressant sur le tour 5. Ça fait une 4-4, ça peut value trade. Le problème c'est que ça, quand il y a bête c'est moins bon parce que ça tue des petits créas. Boom c'est bien quand il n'y a pas bête ni mort vivant. Non je pense que c'est mieux Rebaria. Parce que tu vois, Omu, normalement, il peut up là, à 5. Il gagne 2 pièces, ça fait qu'il peut acheter en même temps. Il fait un up achat. Maintenant, il va falloir assumer. Salut le doc, merci pour le prime, c'est gentil. Merci de ton soutien, 2 ans déjà, merci à toi. On ne l'appelle pas l'Ouest sauvage. Il y a des bonnes cartes. C'est chiant, il y a des bonnes cartes. Des très bonnes cartes. On peut pas décaler, non, non, non. Et c'est comme l'oiseau. Cressobot, c'est pas mal hein, maintenant. Moi j'aimais déjà bien la carte. En fait, je trouvais que c'était une carte intéressante quand tu l'avais tôt. Mais là, plus 2 plus 1, c'est sympa. Aïe. Ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort, mais il sera loyal. Un peu complexe pour moi la Omu Curve, je débute seulement. Ok. En gros. La curve classique, c'est t'achètes tour 1 parce que t'as 3 mana, tu up tour 2 parce que t'as 4 mana, ensuite tu fais t'as 5 mana mais avec des sorts à 2 tu peux faire 2 achats en gros, ou avec des cartes qui s'achètent et qui se revendent pour une pièce. Et en fait, sur le tour des 6 gold, le up il est à 5. Donc avec des personnages classiques, tu peux pas up et en même temps faire de la tempo, ou alors tu up avec un sort à 1, mais si t'as pas le sort à 1,
tu perds un d'économie. Là, là où Omu fait que quand tu up, tu gagnes 3 mana, tu gagnes 2 mana. Donc tu up à 5 et tu passes en mana flottant de 1 à 3. Et avec 3, tu peux acheter une créature. Je pense qu'il faut le refaire, hein, non? Et dans ce cas-là, on prend Faerix et le garçon. Après, il y a même lui qui peut être pas mal avec... avec ça par exemple. Et en fait on échange. Ah, c'est peut-être un peu grid. Mais... En vrai c'est peut-être un peu grid. Je sais pas. J'aime bien l'idée de compoter des stats là-dessus, mais bon c'est quand même un peu léger. Je l'aurais pas fait en plus un avant. Mais là en plus 2 plus 2 je le fais. Plus 2 plus 1. Ah, je savais pas qu'Omu était un perso. Ah, ah oui, ah oui. Désolé alors. Ouais, ouais, c'est un perso qui, quand tu up, tu gagnes 2 mana. Donc ça te permet de prendre des curves un peu plus agressives, monter en taverne de manière plus agressive, mais en même temps, t'équilibres quand même ta tempo avec ces 2 mana que tu vas investir dans de la tempo. Une fois que vous avez invoqué un mecha au combat, lui donne bout divin. Ah non, donne bout divin à un mecha allié. J'ai jamais joué ça. Attends, une fois que vous avez invoqué... Ah ouais, mais j'invoque pas là. Invoqué ? Ah ouais, non. Faut se dire, on va faire quoi là ? Ça ? Le coupon ? Franchement, on est bien en tempo, non? Je prends coupon. J'aime pas coupon, je trouve ça naze. Symbole, je vois... Là, je suis pas dans cette strat-là. Écoutez, je prends coupon. Soit je up, soit j'achète. Peur. Ouais, si j'achète, c'est surtout la cordée, parce qu'en vrai, l'éclaireur m'intéresse moins. Nice. Vous voyez, faire une belle tempo, ça permet de prendre des ups agressifs et pourtant d'être quand même devant, c'est vraiment intéressant. Tu envisages pas la bourse des gobelins? Si, mais je crois que je préfère quand même le coupon. Non, bourse de gobelin, c'est vraiment lent. Là, au moins, tu peux avoir de l'impact, quoi. Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Si up, je up. Par contre, s'il up pas, je up pas. Ce serait trop... Mais il a pas pris de pouvoir. Enfin, il a pas... C'est comme moi, il a un pouvoir qui est décalé. Bah ouais, mais je peux pas y aller en première. T'y vas, j'y vais, mais je peux pas y aller en premier. Il a dit oui. Je lui fais confiance parce que c'est un français. Doute, c'est un français, donc il va pas me trahir. Sinon, on ira l'insulter. Hein. On ira le chercher où qu'il soit. Il pourra pas se cacher. Hein. Et on l'invitera pas à notre tournoi. Pour avoir la MMR des adversaires, c'est un plugin que j'ai installé qui s'appelle BG Rank sur Hearthstone Deck Tracker.
Non, on sait pas où il habite, mais on sait qu'on l'invitera pas au tournoi pour cette trahison. Tant pis pour lui. C'est beau hein, de jouer à un pourcentage comme ça, malgré tout. C'est hyper intéressant. Putain, je vais avoir un deuxième effet, c'est incroyable. Hein. Plus le coupon en taverne 5, c'est beau. Hein. J'ai déjà vu pire. Oh, c'est cher ça. Non, les mans de réfrigération, c'est bien. Burk. Burk, Burk. Monture, c'est pas mal avec les mans, vu que c'est de la vengeance. Je crois que j'ai envie de tripler. C'est un peu cher, mais ça me dérange pas. Oh non, pas lui. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ah, mon délicieux. Goldrin avec monture. Je veux jouer Mecha. La somatique, ça fait des sorts. Puis ça marche avec le Gresso. Franchement, Goldrin, monture, c'est dommage avec un aimant de... En vrai, on est que tour 8, hein. Je suis pas mal. Hein. Enfin, si on prend 15, on est moins bien. Mais... Tourne record. Non, ça veut rien dire. N'importe quoi. Il dit pas tourne record. Tourne ressort, il y a un truc comme ça. Pas de bagarre dans le saloon. Ah, il l'a lui! Eh, ça se fait pas! Oh, touché d'or! Il a l'air énervé le garçon! Oh, salut toi! Tourne et retourne, il dit ça? Ah ouais? Benoît, tourne-toi? Non, c'est pas ça! Ah ah! Polarizing, il faut un polarizing. Incroyable, n'empêche. Hein. Ça fait tarader de partout à la fin. Invoque une copie du premier serviteur que... Ouais, mais j'invoque pas d'automate. Invoque une copie de votre premier méca mort chaque combat. Non, on va prendre les mécas. Ok. Oh non! Ah, j'ai viré le truc en plus! Aïe! Ah, je l'ai viré! Bah ouais, mais. Bah ouais, mais bon, bah ouais, salut toi! Bah ouais! Bah ouais! Salut! Salut! Serviteur, c'est un habitué. Bah ouais! Bah ouais! Je l'ai fait d'abord, non? Non. Déjà, je le refais pas, hein. Non, il n'y a pas besoin. Vous êtes en bonne voie. Pourquoi ne pas buff la taverne? Comment ça? Ah,
Attends, je up. Le cri de guerre qui buff les PV. À place du jeu ancien, tu veux dire? Oui, non, oui, t'as raison, c'est pareil. Je crois qu'on va up là. On est pas mal, hein, faut essayer de choper un autre polarisant. Ah, ça c'est bien. Ok, ok, bon, va falloir faire des choix. Lui il saute aussi. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Tu tentes pas la chaîne de magnétisme? Non, pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie à 27 PV. En fait, j'ai un super scaling. J'ai ça qui me donne 2 mechas par tour. J'ai ça qui me donne du magnétisme. Donc, j'ai envie que la game, elle dure. Et si je fais la chaîne de magnét, je m'affaiblis parce que je dois enlever une bonne carte sur le board. Et j'ai pas envie de ça. Surtout avec double drone. Donc, au prochain tour, je peux envisager triple Egresso ou virer de Sarine et peut-être là commencer la chaîne, mais sur ce tour je voulais pas commencer la chaîne. Je voulais vraiment assurer les 27 PV et ensuite on avise, tu vois. C'est vraiment sympa ce Gresso. Hein. Franchement, je peux arriver à monter le board qu'avec les Gresso. Parce que là, finalement, mon board, il a fait 15 tours de drone. Et encore, j'avais pas beaucoup de magnètes. Donc c'est vraiment... Toute la puissance de mon board, elle était uniquement générée avec les Gresso. C'est incroyable. Encore une fois, moi, j'aimais vraiment bien déjà en +1/+1. Mais voilà, il y a des cartes comme ça qui sont... En fait, je vais vous expliquer pourquoi ils l'ont EP. Ok. Action qui rapporte. Wouh, c'est là que ça devient intéressant. Oh.
complot. Mesures de sécurité désactivées. Moteur de récolte okay. activé. Ouais, pas mal quand même hein, pour un tour 11. Et donc oui, je pense que cette carte-là, elle était piquée par les joueurs beaucoup trop tardivement. Ça fait que son win rate, son comment on pourrait appeler ça pour une carte ? C'est ça, son win rate sur HS Replay, c'est quoi le terme utilisé ? Ouais, le win rate de la carte, je pense. En gros, le win rate, quand elle était jouée, était bas. Parce que les joueurs l'utilisaient trop comme une carte de construction et pas comme une carte de tempo. Donc eux, les devs, bah, son pick rate... Non, pas son pick rate, parce que je pense qu'elle était pas mal jouée. Mais je pense que, bref, les devs, ils avaient les stats et ils se sont dit « Bon, bah cette carte-là, à chaque fois qu'elle est piquée, elle crée un mauvais résultat. Donc, faut la EP. » Alors qu'en fait, c'est juste une carte de tempo qui amène justement bah, à la construction, quoi. À un moment, elle était 6, non ? Ouais, mais il y a longtemps. Mais en 6, elle était plus 3, plus 2, je crois. Et après, elle est passée en plus 2, plus 2 en 6. Mais tu vois, là, elle est en 4 et elle est en plus 2, plus 1. Sachant qu'en 6, plus 2, plus 2, c'était intéressant. Bon, c'était pas la même méta, etc. Mais... Il va gagner, hein. C'est chiant, hein. Bon, après, on va pas prendre beaucoup. Bon. Oh, on a le triple Robaria. Qu'on mettra sur Faucheur, là, on va arrêter les chaînes de Magnette. Là, on va droit à l'essentiel, parce que là, de toute façon, on veut rentrer Dracari. Quoique. Le problème, c'est que j'active pas ma boussole, mais bon. Parce que c'est grave. Non. Je vais vider les cartes de ma main, qui sont pas intéressantes. Comme ça, ça libère la place. Ok. Ça, je prends, et ça, je prends. Comme ça, on fait un truc comme ça. J'arrête les chaînes de Magnette là, je pense que ça a plus de sens. Ça a plus de sens parce que là on est en demi-finale et derrière on est en finale. Je commence vraiment à avoir un board énorme pour un tour 12. Donc ça sert à rien d'être trop énorme. En fait le truc c'est que parfois, à vouloir être trop fort, on va s'affaiblir sur un tour. Sauf que ça laisse, on tue pas forcément un joueur. Ça fait que derrière lui il va pouvoir grossir et après on le reprend en finale et on se dit ah merde si on l'avait tué avant, vous voyez. Donc là moi je veux juste jouer la finale derrière. Je suis milliardaire. 38 pièces, l'Isère. Grenoble RPZ. Bon, bah on va chercher la Dracale. Hein. La question, c'est est-ce qu'on achète tous les magnettes qu'on voit ? Ouais, je pense que ouais, quand même. Je dis ça, je les achète pas.
recrue pourra au moins faire diversion. Ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort, mais il sera loyal. Ok. Ça se passe bien. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. On n'a pas fini de chanter vos exploits. Lui, il était gros ou pas? Ne pas garder trop l'œil pour faire les magnets fin de tour. J'ai pas la place. Et je comprends pas ce que tu veux dire. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Il y avait une draca. Ah ouais, non. En fait, l'idée c'est que je cherche le sort qui dort. Ah, voilà, comme ça, si je trouve une draca, je la dors direct quoi. Parce que trouver draca à la main comme ça, même avec 100 000 rolls, c'est quand même super difficile d'expérience. Là par contre, si on trouve Draka, on n'aura plus les sous, donc autant acheter. C'est une folie de pas la trouver, non? Il y a itération, il y a très peu d'itération. Non, c'est normal de pas la trouver. De pas trouver la... Enfin de... T'es pas censé en trouver deux, hein. Déjà une, c'est difficile, mais t'es pas censé en trouver deux, hein. Après, il y a un monde où je la vire. En me disant que j'ai tellement de mana que je la retrouve, je la remets dans le pool, ça augmente son itération. Vous voyez ? Ses itérations. Ouais, je peux mettre un deuxième drone. Je me suis principalement focus sur la Draka, mais je pouvais mettre un deuxième drone à la place du Grassobot, pourquoi pas. Bah, de toute façon, il va concede, je pense qu'il va pas jouer la finale. One life. Ouais. Mais j'aime bien les... J'ai envie de faire le play. Eh bien, ils ne viendront plus vous chercher des noix. Ah. Facile, dites-moi. Okay. Serviteur, c'est
êtes un habitué. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. On ne change pas un matos qui gagne. On ne change pas un matos qui gagne. Cette recrue-ci vous sera très utile. Vous ok. Ah, vous avez réussi. C'est con. La ville est en sécurité à présent. Tellement de pièces, c'est beau hein. Je fais combien? Je fais 60 pièces par tour, un truc comme ça. 50, 60. Incroyable l'Eudora, hein. La nouvelle Eudora, c'est une folie hein. On l'a fait deux fois. Une fois en méga tempo. Enfin en fait, on l'a fait tour 5 je crois. Et à partir de là, on était juste trop bien. Et on a pu, entre guillemets, forcer la compo polarisante, qui est très dure à forcer hein. C'est incroyable. Parce qu'au début, de mémoire, elle était déjà à 4. Et il l'avait nerfé à 5 parce que c'était trop fort à 4. Déjà parce que tu l'avais un tour avant. Et aussi parce que tu pouvais bah, la faire deux fois. Ici, on l'a fait deux fois. Donc, ouais, cette Dora aussi bien. Peut-être dans deux semaines, elle sera renerfée. Ça serait drôle.